Salut tout le monde, c'est Commandant Rétro, et oui, on se retrouve pour le 7ème épisode de Resident Evil 4. On va t'acheter... non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire. Ouvre. Bon. Voilà. On avait dit... la dernière fois, on avait... voilà. Nickel. Non, on va rien améliorer là du coup. Allez, c'est parti. Let's go. Allez. Deuxième tentative de ça. Je vous rappelle, on n'avait pas réussi la dernière fois. Bah là, on va réussir. Parce que cette fois-ci, j'ai pas le soleil dans les yeux. Hop. Alors on s'y met. On va essayer de faire mieux que ça parce que la dernière fois je vous rappelle on avait consommé énormément de soins, énormément de balles et tout, c'était très chiant, donc là cette fois-ci on va faire attention. Bien entendu. On va aller récupérer tout ça à l'étage aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ça je prends. Non, je prends pas pour le moment. Ça ira. Et le soin, on en a pas besoin pour le moment. Nickel. Pour le moment on est bien. C'est quoi? Bah non, pas de place. Voilà. Fais-lui sortir son parasite, là, ce connard là. Oh bordel. Bah tiens, non, c'est pas ça que je voulais. Bordel. Je veux que tu en équipes une. Nickel. Je t'en prie, mec. Ce fut un plaisir. A pleasure. Vous avez vu, c'est les aveugles en fait, carrément, les villageois, et c'est assez utile, je dois dire, les grenades aveuglantes. Toi, casse-toi. Yes! Je sais bien. Casse-toi! Nickel. Ok, on va à l'upstairs. On va à l'upstairs. Casse-toi, toi. Allons à l'upstairs. Préparons. Reprenons ça. Préparons une petite grenade à lancer. Taquez-vous un petit peu. Histoire de. J'ai bien dit histoire de. Eh, franchement, ça fait masse dégâts le parasite, c'est vraiment très chiant. On va utiliser une grenade aveuglante. Ah, il y avait deux parasites carrément là. Ah, bah heureusement, j'ai utilisé la grenade aveuglante alors. Oh non, t'es pas sérieux. Ouais, ça va, ça va. Tranquille. Ah,
Bon bah on va utiliser une... J'ai pas de grenade, attends. J'ai pas deux secondes. Veuillez patienter. Veuillez patienter. J'ai dit veuillez patienter. Allez, explose. Nickel. Recharge un petit coup. Le temps de la prochaine vague. Récupérer ça. Carré dans l'axe. Merde. Moi ça va mais... On va utiliser une grenade incendiaire, ça me paraît bien. Brûlez tous hein. Fusil à pompe maintenant. Allez, on passe en mode fusil à pompe. Mode fusil à pompe. Ah non. Oh non, oh le bâtard. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, ben non. Mais putain. Oh. Les joueurs sont une grenade aveuglante en fait, c'est ça en fait. Ok. Ok. Non, c'est pas ça. Voilà. Arrêtez vos conneries maintenant. Ouais, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Non bah c'est bon, c'est bon. Oh, j'avais pas eu. Moi ça va mais... Ça c'est nickel. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Fin de chapitre 2 sur 2, hein, 85%, 51%, et on a fait une totale... Total de morts 2, mais du coup mort du personnage dans ce chapitre on est mort une fois, donc en gros on est mort une fois dans ce chapitre là, une fois dans le chapitre précédent, j'ai envie de dire, voilà. Bref, continuons. Oh là là, bonsoir là ma vie, oh, oh c'est vraiment là, nickel, je pourrais peut-être dû faire plus d'attention, mais bon, ce qui est fait, ne rendons pas en arrière. Alors. Ah, il y a un vendeur. Bah, c'est très bien s'il y a un vendeur. Tiens, on va en profiter pour recharger toutes les armes. Et vous avez vu que ça a fait de la place. Hein. Là, ça a fait masse place. On n'a plus de grenades normales. Ça fait un peu chier. C'est pas si grave que ça. Mais bon. On n'a plus aucun soin. Là par contre, on est un peu plus dans la merde. J'ai plus rien du tout en termes de soins. Mais bon. Oui. Alors. Deux itinéraires. L'autre, Lord Sadler, vient de me dire que nos hommes avaient abattu un hélicoptère de l'armée américaine. Il ne devrait pas y avoir de renfort pendant un certain temps. Tant que le gouvernement américain n'aura pas démasqué le traître, il ne pourra lancer que des opérations secrètes de petite envergure. Nous devons profiter de cette situation pour capturer la fille. Seuls deux itinéraires peuvent permettre aux Américains de s'échapper de notre territoire. Nous les arrêterons ici. Nous allons faire appel à tous nos effectifs. Nous concentrons tous nos hommes sur l'un des itinéraires. Ils ne passeront pas. Sur l'autre itinéraire, notre El Ericante s'occupera de tout. Quel que soit le chemin qu'ils choisiront, l'agent et la fille ne sortiront jamais d'ici vivants. Ok.
C'est pas rassurant du tout. Donc, on a donc deux itinéraires à prendre. Alors, bien sûr, nous, on va faire les deux. Hein. On va faire les deux. On va faire les deux. Bonjour, monsieur. Alors. Eh ben, t'as rien intéressant. Qu'est-ce que je te vends ? Spinel. Oui, vas-y. Prends. On va prendre un spray, c'est très bien. C'est déjà ça de prix. On va même prendre un deuxième. Là, on peut en prendre deux, donc faisons. Profitons-en. Et on va améliorer le TMP parce qu'il y a un Elrigante. Et donc, voilà. Un Elrigante, ça fait peur. On va sauvegarder un petit coup. Nickel. Alors, je crois que l'itinéraire le plus chiant, c'est le premier qu'on va faire. Il est à. Je crois que c'est de droite, il me semble. Je suis pas sûr. Hein. De toute façon, on va faire celui de. On va faire le plus chiant en premier. Ça, c'est sûr et certain. Alors, du coup, alors c'est lequel? Est-ce que c'est celui-là? Non, je me suis trompé, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le moins chiant à faire. Le D2, c'est vraiment le seul moins chiant. Non, nous, on veut le plus chiant. Pour le moment. Pas que je sois sadomaso, enfin, pas que je sois masochiste, mais... Mais voilà. Juste que je me suis de gauche. Donc c'est bel et bien celui-là. Eh ben c'est parti. Voilà, on se retrouve dans cet endroit. Donc ben, c'est le truc le plus relou. Alors côté positif, c'est que dès le début on nous offre la possibilité de cacher Ashley. Ça c'est bien. Déjà derrière. Mais wesh, t'étais pas là toi avant hein. Fais toi. Ah bah tiens oui voilà. Très bien. Pied. Et je te termine. Voilà, nickel. Hein, c'est pas tout non. Non c'est pas fini. Ah ça fait que ça ne fait que commencer. Oh, je savais que j'allais mal la prendre de toute façon. Cette arme est incroyable, j'adore cette arme. Oh non, le plagas, le plagas. Ah non, ah j'ai rien dit. Même pas. Plagas là par contre. Là par contre il y a plagas. J'ai dit fusil à pompe. Allez. Recharge un coup cette arme. C'est nickel. Merde, j'ai appelé Ashley. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous allez voir. C'est pas bien grave si je l'ai rappelé. De toute façon, je comptais la rappeler après. Non, mais recharge pas, espèce de. Me tombe sur mes touches là. Ça va pas là, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas.
Parfait. Dépêche-toi. Moi, je vais me soigner. Ok, parfait. Bonjour. Des balles. Boum. Ça c'est fait. Yes. Croyez-moi, ça a beau être facile, ça l'est pas. Parce que c'est pas fini. Je vous le dis. C'est pas fini. Alors là, y'a plus personne, hein. Donc on peut descendre en bas, j'imagine. Bah ouais. Oh non. Bon. Ok. Et ouais. Messieurs et madame tronçonneuse. Et là, c'est pas monsieur ni madame, c'est monsieur et madame. Il y en a deux. Il y en a deux. Quelle horreur. S'il vous plaît, il y en a deux et quelle horreur. Et en plus, il y en a qui respawn et déjà arrive. Non, par contre, ça se fait pas, ça par contre. Donc. Technique très pas compliquée. Très simple mais pas trop compliqué. Fils de pute. Non par contre non ça, et je vais me faire couper la tête. J'ai failli mourir. Donc regardez. C'est vraiment pas compliqué. Elles arrivent les deux. Elles courent en plus hein. Et là tu fais ça. Et puis quand tu veux bah tu lances une grenade. Mais là on va le faire parce que j'ai pas de grenade normale. C'est vous. Faudrait profiter qu'elle soit à terre pour pouvoir recharger. Là on va profiter qu'elle soit à terre pour recharger. Toi tu dégages. Regardez ce qu'elle a sur le torse, elle. Elle a un truc qui brille. Putain, on va détruire le Plagas en fait. Ça pourrait être cool. Le Plagas il meurt quand là? Nickel. Donc clé du camp et un rubis. Voilà. Ça. Oh, j'ai plus de balles de fusil à pompe alors que tout à l'heure j'étais à pas mal. Oh là là. Oh, c'est la merde. Vous voyez en fait il y a vraiment un truc avec les munitions dans le jeu, tu peux. C'est retournement de situation quoi. Tu peux avoir plein de balles à un moment et passer un passage où ça te nique tes munitions. C'est qui tout double le truc. Amène-toi toi. Donc là vous inquiétez pas, il y aura plus personne, mais c'est pas terminé hein. Il y a encore un autre passage. Donc là c'est le moment où on se refait un petit peu en munitions, enfin j'espère. Oui voilà, c'est nickel. C'est ce que je voulais. Ok là on peut pas y aller. Et puis maintenant bah on va passer à l'à peu près chose sérieuse on va dire. Parce que pas plus compliqué mais c'est pas plus facile non plus hein. Parce que le prochain passage on pourra pas cacher Ashley. Là on pouvait parce que voilà tranquille, sympa. Là le prochain passage on pourra pas. Eh non. On utilise la clé du camp du coup. Nickel.
Et on y va. Oh, un souvenir me vint. Donc on a eu tous les trésors, mais là du coup il nous en manque un trésor que je vais bientôt avoir. Vous inquiétez pas. Mais là, du coup, il y en a un ici, dans cet endroit de trésor. Et on va tout de suite aller le récupérer. C'est un peu notre l'histoire de se rassurer de se rassurer avant le gros truc, on va dire. Alors, hop. On va déjà descendre là. Là-dedans, il y a des choses. La hache, ça sert à rien que je la rattrape. Hein. Y a rien d'autre. Dans mes souvenirs, il y a d'autres choses. Attends. Rattraper, non, on s'en fout, ça sert à rien pour le moment. Attends, y a rien. Y a que ça. Ok, ok. Faut quand même la rattraper. Oh là là. Cinématique pour rien. Non, le vrai trésor qu'on cherche, nous, il est là. Et on récupère la gemme rouge, qui est la deuxième gemme, qui se combine avec, bien sûr, le masque. Tac, nickel. C'est totalement nickel. C'est carré dans l'axe. Bon. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. On va sniper un peu de monde en fait, vous savez quoi, parce que j'ai pas mal de munitions de snipers. Au revoir. Stop, on va arrêter. On commence déjà directement avec une petite grenade des familles. Mais totalement rien dire en fait, on peut la cacher. Ah mais ouais. Ça va être plus facile que je l'imaginais ou comment ça se passe là? Oh, une petite grenade incendiaire, ça fera pas de mal. Dégustez, profitez. Ok, d'accord. Dans mes souvenirs, c'était plus compliqué en fait. Mais bon, après, mes souvenirs ils sont pas terribles. Hein. Parce que dans mes souvenirs, on pouvait pas la cacher alors qu'on peut la cacher. Déjà. Et. Oh, bougez. Ouais, j'ai pas pris un seul dégât. Ouais, bah là, c'est que c'est. C'est que je suis un PGM. Le premier qui me sort son parasite, c'est grenade à ma glande dans la gueule. Oh non, les manifestants, on est samedi après-midi. Oh putain, oh non. Oh non. Les manifestants. Il y a les manifestants dans la rue. En fait, c'est pour ça que je viens de me plaindre. Il y a les antipasses en fait. Mais qu'est-ce qu'elle fout aussi rapidement ici en fait elle? Mais attends. Non non non, oh, vous allez vous casser. Vous vous cassez, merci. Bonne journée. Au revoir. Mais et oh, hein. Moi je veux bien être gentil deux secondes. Mais là, c'est trop.
Voilà. Bonne soirée. Enfin. Un peu de tenue, messieurs. Mesdames. Mesdames, pardon. Pardon, mesdames. Mais attends. C'est... Mais dans mes souvenirs, c'était plus difficile. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Je me plains pas que ce soit plus facile, hein, mais... Ça me paraît bizarre. C'est tout. Bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, c'est la fin de cette section. Enfin, c'est la fin de ce passage-là. De cet itinéraire, pardon. Du coup, maintenant, on va devoir passer par l'autre itinéraire. C'est pour ça qu'on va faire demi-tour. Bon, petit arrêt chez le vendeur. On va du coup vendre ce petit rubis incroyable. Et c'est tout ce qu'on a à vendre. Par contre, on va acheter. On va réacheter des sprays. C'est nickel. On va en racheter un. Comme ça on en a deux. Puis on va mettre ça au bon endroit. On va pousser ça. Attends, on peut pas en racheter le troisième? Si, non. Et on a rien à optimiser parce que ça sert plus à rien pour le moment d'optimiser. Nickel. Alors c'est où le passage, l'endroit où tu changes les trucs là? C'est là. Du coup, on veut celui de droite. Bon, on peut zapper la cinématique? Oui. Oui, on peut zapper. Attends, il y a quelque chose là. Des munitions de TMP qu'on n'avait pas ramassées. Quel scandale. Et là, il y a des munitions de pistolet. On n'avait pas ramassé. Ok. 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 Je prends. Allons-y. Bon voilà, du coup vous l'avez deviné, c'est un combat comme dans l'épisode dernier, hein, c'est un El Ricante. Alors... Ah ouais, ok, d'accord. Bah je m'en souviens. Voilà. Je m'en souviens, c'est ce que j'ai à dire. Oui, on a compris. Elle nous montre ça, bah c'est normal parce que c'est le truc qu'il faut utiliser. Mais non, mais... Ok, d'accord. Tu l'auras voulu, hein, moi je... On a un petit game over parce que Ashley s'est fait buter, du coup c'est logique. Ah, je vous jure, des fois c'est pas facile, hein. Ouais, on a vu. Alors. On se prépare. Maintenant. Mais bordel! En fait, c'est de la merde. Allez, vas-y, meurs. C'est bon, c'est ce moment-là, en fait, on va commencer à les enchaîner, les gamers, vous allez voir. Et vous allez trouver ça très chiant, et je vais trouver ça très chiant aussi. Mais bon. C'est le prix à payer parce que je suis vraiment très nul à ce jeu. On va donc sortir le TMP qui a maintenant 100 munitions, ça c'est plutôt cool. On a pas mal de munitions d'ailleurs de TMP. Alors là moi je ne veux rien savoir, gars. En fait, baisse-toi Ashley, baisse-toi. Ashley, baisse-toi. Mais quelle connasse! Elle s'est foutue. Elle s'est pas baissée cette connasse. Mais puis je te déteste. Vous voyez pourquoi c'est un boulet? Oui, je commence à en avoir marre. Je suis en train de rager, je sais. Parce que c'est bientôt la fin du tournage pour moi et... Ça fait quand même le troisième épisode que j'enchaîne en fait, si tu veux. Hein. Allez! Sors ton plagas, espèce de connard!
On avance. Ok, attention à ce qu'on va faire là. BGM parce que... Ouvre la porte. Nickel, avance. Ok, on y est. Ok, la suite. C'est bon. Je les recule. On va tout prendre après. Hein. Là, c'est pas vraiment la priorité. Hop, on avance. On viendra tout reprendre après. Il y a énormément de trucs à prendre, c'est vrai. Je suis d'accord. Vous avez obtenu une vieille clé. Oui, ça c'est pour le, c'est la clé pour pouvoir sortir d'ici. Il faudrait reculer bien en fait. Faut... Merde. C'est bon. Bah on va... Vas-y, prends ça, Ashley. Hein. Ah bah ouais, ok. Elle est pas près de moi. Elle est où? Amène-toi. Ah! Une munition. Nickel. Ashley, recule. C'est nickel. Maintenant, Ashley, je te soigne. Eh ben, c'était pas si compliqué, mais c'était pas si facile non plus parce qu'il nous a fallu quand même 3 game over. Ouais, c'est ça, 3 game over avant de pouvoir le battre quand même. Hein. Donc, ouais. Niveau crédibilité, on repassera. Hein. Bon, au moins, ça c'est cool. On a un peu récupéré des munitions. D'ailleurs, j'ai même pas rechargé mon fusil de sniper. Attends, bouge pas. Juste que j'organise un petit peu l'inventaire. D'autant plus que le TMP, on va le recharger. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais prendre. C'est carré. Et puis ça, on va le recharger aussi. Voilà. Parfait. C'est nickel tout ça. Maintenant, on va récupérer le trésor. Donc le trésor, il est où? Il est derrière moi. Ok, mais on va quand même aller vérifier s'il n'y a rien à prendre ici. Je pense pas. Hein. Donc on avance. Il est là? Non, il est pas là, c'est après. Il est encore après le trésor. Hop. Il est là-haut, non? Au-dessus de moi, c'est ça? Je crois qu'il est au-dessus de moi, il me semble. Ouais, non, il est encore en arrière. Enfin, je l'ai dépassé. Ah, il est là. C'est bon, je me souviens, je viens de le voir. Il est là. Et je sais plus ce que c'est en plus. Je sais même plus ce que c'est. C'est la troisième gemme, je crois, non? Non, c'est pas la troisième gemme. Je crois pas. Bah si, c'est la troisième gemme. C'est nickel. On a la troisième gemme. Et le masque, il va valoir cher, là, cette fois-ci. Ah ouais. Il nous en manquera plus que la shop, là. Je crois que la shop, on a très très bientôt la troisième... Le troisième œil de chat. Parce que le prochain trésor, il est où? Je crois que le prochain trésor, c'est ça, c'est la troisième. Le troisième œil de chat. Voilà, voilà. Là, y'a rien, non, y'a rien. Ok. C'est carré.
Mais vous avez utilisé la vieille clé. Ouvrir. Et donc on arrive ici avec le vendeur. Donc on va déjà tout de suite aller le voir. Ah non non attends, on va pas aller le voir pour le moment. Non, on va d'abord passer par la petite cabane qui est juste en bas. Faire le tour, ramasser ce qu'il y a, faire le looter un peu la maison et après on va voir le vendeur. Et après on s'arrêtera bien sûr. Parce que le bulldog, je crois il commence à être assez long. Ok, là il y a rien. Ok. Là il y a quoi? Là il y a rien. Ok. Alors entrons. Ok. Défense du village. J'ai sous-estimé les qualités de l'agent américain. Il est toujours vivant. Je pensais que nous pouvions atteindre l'éclosion de l'œuf dans son corps, mais à ce rythme, il risque de détruire tout le village avant. Nous devons régler ce problème. Nous allons devoir changer nos priorités, pour l'instant. Pour l'instant, saison de chercher Louis et tentons une embuscade aux deux Américains. Une cabane sert à torturer les traîtres près de la sortie de l'ascenseur. C'est l'endroit idéal pour leur tendre un guet-apens. S'ils arrivent, ils devront m'affronter pour franchir le dernier portail qui mène hors de ce village, car ce portail ne peut s'ouvrir que sous mes yeux. Ah, on se demande qui c'est qui parle, hein. Intriguant, hein. Bah, vous le saurez dans le prochain épisode. Nananer. Ça sert à rien de me donner des balles de... Franchement, arrêtez avec vos balles de sniper, parce que ça sert à rien, j'en ai déjà trop... Oh, son con. Bon, on va vite fait voir le vendeur. Pas combien de temps il fera cet épisode, mais il va être long, hein. Je pense. Je présume que. Alors. Alors. Bah, déjà 20 000 pour le masque, hein. Voilà. Spinel, on a, ça sert à rien de les vendre. On a combien? 98 450. Ok. Bon, ok. Optimisé. Et bah, t'as rien. Eh ben c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Moi je le dis, c'est pas grave. On va donc s'arrêter là les amis. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Commandant Rétro. Bye tout le monde.